de parler de Webpack. J'ai appelé ma conf Webpack pour les humains. Parce que bon, pour ceux qui ont essayé un peu de faire du JavaScript ces derniers temps, ça devient de plus en plus compliqué, on a de plus en plus de choses à faire. Et donc là, c'est une histoire d'essayer de revenir sur un outil de build qui a l'air compliqué, mais là, d'aller sur les bases de cet outil. Et aussi de pouvoir essayer de trouver des moyens d'alléger les pages parce qu'elles sont de plus en plus grosses et parfois c'est un peu compliqué à charger, notamment pour les mobiles. Donc, je m'appelle Loïc Bourg et donc à la base je suis développeur PHP et je travaille à IT Network. Actuellement, en fait, j'ai passé pas mal de temps à faire du JavaScript parce qu'on est une petite entreprise, donc on est amené à faire pas mal de choses différentes. Et donc c'est moi qui me suis collé sur la partie JavaScript. Donc Webpack, qu'est-ce que c'est ? Webpack, c'est un outil de build pour tout ce qui est les assets front-end. Ça va pouvoir le JS, le CSS, les images, votre SAS, votre LES, etc. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous avez tout un ensemble de dépendances et vous les donnez à Webpack et il vous ressort les quelques fichiers qui seront optimisés. Alors Webpack, est-ce que c'est bien ? Déjà, c'est pas un simple task runner. Pour ceux qui ont eu déjà l'occasion de tester Grunt ou Gulp, Grunt et Gulp, on passe juste notre temps à dire tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu concaténes les fichiers, tu les modifies, etc. Là, c'est tout à fait différent parce que ça gère l'arbre de dépendance. Ça gère en fait l'arbre de dépendance. Donc, on va pouvoir définir que pour telle page, on a besoin d'exactement de tel fichier CSS, de tel fichier JavaScript, etc. Donc, ça va pouvoir permettre de réduire la taille de la page. C'est capable également de récupérer des dépendances de manière asynchrone. Donc on peut dire par exemple si on a un endroit qui est caché au début, au chargement, on ne va pas le charger tout de suite et on va le charger seulement au moment où cet endroit est affiché. Donc du coup, encore une fois, réduire la taille de la page. Également, ça gère n'importe quel fichier JavaScript. Pour ceux qui ont l'occasion de faire du Browserify, il faut avoir une syntaxe très spécifique sur chacun des fichiers, sinon ça ne marche pas. Là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est Webpack qui va vraiment s'adapter à vos besoins. Donc si vous avez des choses simples à faire, vous n'avez pas forcément besoin. Vous pouvez juste demander à Webpack de faire les choses de manière simple. Et donc ça gère également toutes les dépendances front-end. Donc ça va, contrairement aussi à CommonJS, où on dit simplement les fichiers JavaScript dont on a besoin, là, on va gérer toutes les dépendances front-end, aussi bien le JavaScript que le CSS et les images. Donc Webpack, c'est déjà deux points essentiels. Donc les entry points. Donc, les entry points, en fait, c'est un simple fichier JavaScript où on va définir toutes les dépendances pour une page. C'est-à-dire qu'un entry point, ça va être, on va en déclarer un par page ou par groupe de page. C'est-à-dire, par exemple, on va déclarer un entry point pour la page d'accueil, un entry point pour la page de recherche avancée, ce genre de choses. Et du coup, on va pouvoir également réduire la taille des fichiers parce qu'on a un fichier qui est spécifique pour chaque groupe de page. Et également, le deuxième point important, c'est donc les loaders. Parce que donc, de base, Webpack, il va gérer simplement du JavaScript, mais on va pouvoir lui apprendre à faire, à gérer donc, n'importe quoi, donc du CSS et des images. Et donc, on va également pouvoir change ces loaders, c'est-à-dire. Par exemple, si on a du LESS, on compile le LESS en CSS par le LESS loader, et ensuite ce CSS, on le passe dans le CSS loader, et ensuite il finit de manière compilée. Bon, pour ceux pour qui c'est pas clair, on va passer à du concret. Hein. Donc, ne s'inquiétez pas. Alors, déjà, on installe. Donc là, l'installation, d'abord, on installe NPM, donc, qui permet de gérer les dépendances JavaScript. Ensuite, on fait npm init et on installe Webpack. Alors, donc quand on installe Webpack, pour ceux qui suivent un peu l'actualité JavaScript, on prie très fort pour que ça ne dépende pas de l'estpad, hein, parce que sinon ça ne marche pas. Et puis aussi, on n'oublie pas le safe-dev, parce que sinon ça ne rajoute pas dans le package Mongisol, et du coup, quand vous irez essayer de déployer votre super outil build, vous essayerez de build votre truc, vous aurez des dépendances qui manquent. Donc du coup, on se retrouve avec donc, du coup, le dossier node module qui où dedans il se trouve toutes les dépendances JavaScript et le fichier package.json où il y a toutes les dépendances JavaScript. Alors, bon, chargeons du JavaScript. Alors, on va faire un site qui affiche la date. Donc, super compliqué. Donc là, on a une fonction plutôt simple où on récupère, donc, qui prend un argument en ID. Donc on prend le getElement ID et dans le HTML, on met la date et on fait un point toString. Là, on appelle la fonction.
Et donc là, notre configuration Webpack, il y a pas mal de choses, ne t'inquiète pas, c'est pas très compliqué en fait. Donc ici, donc, on définit notre premier entry point, donc qui est pour la home page. Donc c'est JSH home, donc c'est le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Là, on définit le contexte, donc là, ça veut dire que c'est notre dossier de travail. Là, on va travailler sur toutes les dépendances en fait. Donc là, on définit également là où seront toutes nos dépendances. C'est-à-dire que par exemple, là pour l'instant, j'ai juste un dossier, mais je pourrais également définir plus tard le node module si je veux récupérer d'autres dépendances. Et ensuite là, c'est la configuration pour tout ce qui est la compilation. Donc j'indique que tous les fichiers compilés vont aller dans web/compile. Et au niveau du nom du fichier, ça sera name.compile.js. Donc name, ça va récupérer ça. Donc sur moi, j'aurai juste un seul fichier général qui s'appellera home.compile.js. Alors, donc là, c'est notre fichier HTML, hein, donc pas très compliqué. Ensuite, on lance l'UIL avec cette ligne de commande. Alors, pour résumer vite fait, là, donc, on a ici Point. On a ici la configuration Webpack. Ici, on a le dossier web qui va être servi par notre serveur HTTP, si vous voulez. Et donc là, notre index.html qui inclut le fichier ici qui a été généré par Webpack, donc home.compile.js. Et donc, du coup, on a notre super app qui s'affiche. Maintenant, alors, là, on va montrer un peu l'intérêt. On va commencer à séparer les fichiers. Donc là, par exemple, j'ai une fonction qui s'appelle showdate. Je vais aller la séparer dans un fichier qui s'appelle showdate.js. Et donc, du coup, là, je vais. Ça, c'est une syntaxe un peu spécifique. Donc, je vais demander à exporter le showdate. Donc, ça veut dire que au moment où je vais faire ça, donc, ça veut dire que je vais requérir le fichier js/showdate.js. Je vais récupérer ici ma fonction. Et donc ensuite, là, je l'affiche. Là, je vous ai parlé juste avant qu'on peut faire en sorte que ça soit Webpack qui s'adapte à nos besoins. Si cette syntaxe, elle vous fait peur, vous pouvez installer ce qui s'appelle le export loader. Okay. Donc, une fois que c'est installé, là, du coup, on arrive à cette espèce de syntaxe étrange. Et du coup, de l'autre côté, quand on veut requérir le fichier, par contre, forcément, il faut quand même indiquer ce qu'on veut. Et donc, là, on indique que pour le fichier showdate.js, quand je le require, je veux récupérer la variable qui s'appelle showdate. Donc ici, showdate, et là, et hop, je peux lancer ma fonction tranquillement. Utilisation des librairies externes, oui, parce que bon, là j'affiche une date, mais je ne sais pas si les gens qui ont fait du JavaScript se sont déjà amusés avec les dates en JavaScript, c'est pas super agréable. Donc on va utiliser une librairie qui s'appelle Moment qui permet de un peu mieux les gérer. Et donc du coup, là, ce que je vais devoir rajouter dans mon webpack.config, c'est qu'en plus d'aller chercher dans mon dossier asset quand je fais un require, il va falloir que j'aille également chercher dans le dossier node module qui contient toutes mes dépendances JavaScript. Et alors là, du coup, tout ça, là, en plus, c'est super simple, require moment, donc le nom, et du coup, là, ça y est, j'ai accès à mon moment et je peux faire un format. Hop, voilà, j'ai ma tête qui est changée. Maintenant, je peux utiliser Moment et je peux commencer à faire les choses un peu mieux. Ensuite, comment gérer un peu les librairies disponibles globalement? Parce que c'est vrai que, par exemple, ça arrive aussi assez souvent de se retrouver avec jQuery. Parce que oui, bon, ok, tout le monde dit qu'il ne faut pas l'utiliser, mais en fait, tout le monde l'utilise. Alors, donc, du coup, là aussi, il y a un moyen. C'est donc, on installe jQuery. Et donc, du coup, vu que c'est quelque chose qui est disponible globalement, jQuery, on va falloir avoir une syntaxe spécifique et indiquer à Webpack à chaque fois qu'il va croiser soit un dollar, soit un jQuery, soit un window.jQuery, en vrai, on fait référence à jQuery. Donc, ce qui veut dire que je vais pouvoir faire ça dans mon fichier showdate, puis ici avoir mon $dièse.html, et donc du coup, ce dollar-là, en fait, au moment de la compilation, en fait, ça se transformait en require jQuery.html. Okay. Voilà, donc je déconseille d'utiliser jQuery juste pour faire ça parce que ça leur dit beaucoup la page, mais vous pouvez. Ensuite, gestion du CSS, bon, on va encore alourdir un peu plus la page hein, parce que c'est fun. Donc on va rajouter Bootstrap. Et du coup, on va recueillir le CSS et normalement il va s'afficher. Sauf que, donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, Webpack au début ça connaît que le JS et ensuite c'est à nous de lui faire apprendre à charger d'autres fichiers. Donc là du coup il est gentil. Donc du coup j'installe le CSS loader et le skill loader. Okay. Et donc petit truc pratique, au niveau de la configuration de Webpack, au lieu de à chaque fois que je fais un require CSS dire que je veux utiliser le CSS loader,
En fait, là, je vais pouvoir dire que tous les fichiers qui finissent par .css, on passe par le CSS Loader et ensuite on l'envoie au style loader. Donc là, normalement, c'est censé marcher, super. Sauf que, encore une erreur, là, ça me parle de fonte. Enfin, c'est bizarre parce que moi, je vais parler juste de CSS. Et oui, parce qu'en fait, le style loader, qu'est-ce qu'il fait? Il va parser votre fichier CSS et il va essayer de regarder toutes les dépendances qu'il y a dedans, donc tous les fichiers qu'il va chercher. Évidemment, là, par exemple, Bootstrap va chercher les fontes. Donc, on va encore charger des loaders en plus. On va prendre un URL loader et file loader. Alors, qu'est-ce que ça fait ce petit truc? C'est super sympa. En fait, donc là, on fait notre thèse, donc tout ce qui est .wav, .wt, .ttf, .svg. On va demander à ce que le loader, l'URL loader ici, il base 64 en code, tout ça, et ça doit mettre dans le CSS. Ok? Et donc ça, en plus, ça, c'est vraiment sympa en plus. Parce qu'on dit, si ça fait plus de 100 000 octets, donc 100 000 octets, on va demander à ce que ce soit le file loader. Donc, du coup, automatiquement, il va utiliser le file loader et juste copier le fichier dans le dossier compile et garder la référence à l'image. Hop, donc là, du coup, je rajoute ma classe et on vient de rajouter 121 kg de CSS pour afficher une alerte ou pas? C'est bizarre. Hein. Donc, ça serait peut-être intéressant de juste utiliser ce dont il est nécessaire. Donc, Bootstrap, il fournit des fichiers LESS. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va installer donc LESS et le loader pour LESS. Donc ensuite là je vais me créer un petit fichier asset less off.less où dedans je vais importer seulement les choses dont j'ai besoin. Donc là le petit tilde c'est un truc spécifique à Webpack qui veut dire qu'on va aller chercher dans les notes modules. Donc en fait ça va chercher dans notre module slash bootstrap slash less slash wireless, etc. Et donc là du coup grâce à ça, ensuite de l'autre côté dans notre entry point on require notre fichier less. Et c'est super cool, on affiche notre jolie date avec plein de couleurs. Bon, on m'a dit que la couleur n'était pas super. Donc du coup, alors je vais la changer. Mais je vais demander à l'intégrateur de le faire. Et pour la manuer, j'ai un petit truc sympa. C'est que je vais lui montrer que c'est possible de changer le style sans avoir besoin du tout de recharger la page. Je vais lui dire, ah, ça me semble impossible. Eh bien si, ça s'appelle le Hot Module Reload. Et en plus, ça se fait super simplement. Donc ce qu'on va faire... On va installer le Webpack Dev Server. Donc, une fois que c'est fini d'installer, une seule ligne a changé, c'est celle-là, pour indiquer qu'au moment où on compile, le chemin public, c'est slash compile. Donc, en fait, ça, c'est juste le dossier. Et ensuite, on lance la ligne de commande. Celle-là, elle est longue, mais en fait, c'est assez logique. Donc, la content base, ça veut dire que notre Dev Server, il va servir le dossier web. --hot, ça veut dire pour activer le hot module reload. --inline, ça veut dire que le JavaScript qu'on va rajouter, il y a du JavaScript qui va être automatiquement rajouté dans la page pour gérer le module reload. Et --progress, c'est juste pour afficher la progression. Alors, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Si je peux, hop. Donc là, j'ai lancé le Webpack Dev Server, et donc je change une variable, regardez le navigateur, tac, ça a pas rechargé. C'est génial, et j'ai pu charger la page, hop, et voilà. Hop. Alors, Webpack en production, eh oui, parce que là, du coup, pour avoir ce module reload, ce qui est fait, c'est que c'est le JavaScript qui rajoute le CSS dans la page. Donc, en production, c'est pas super, c'est parce que ça veut dire qu'on a aucun style qui est affiché, ça n'a aucun style qui est affiché, tant que tout le JavaScript n'est pas parsé. Bon, c'est pas super user friendly, donc là on va rajouter encore des choses en plus. Alors, du coup, on va rajouter des choses. Donc, ça va être pour justement faire en sorte que le CSS soit généré dans un fichier à part. Et ça va être pour faire en sorte de pouvoir gérer plus facilement les configurations de production et de dev. Donc, ce qu'on va rajouter, du coup, c'est que on va avoir ici on va créer une variable qui s'appelle common. Donc, on va mettre tout le JSON qu'on avait juste avant en config, sauf les loaders, les CSS. Ici, donc si on est en production, on va gérer donc le CSS plugin pour générer un fichier CSS que je vous montrais juste après. Et donc là ensuite, le loaderless, et on va là c'est juste le loader qu'on avait juste avant. Donc ensuite, là je vais donc là c'est là, ce qu'on, donc là on dit que pour tout ce qui est less, on passe par less, ensuite on passe par CSS, on passe par le loaderless, ensuite le loader CSS, le loader style. On dit que le fichier CSS qui est généré c'est name. Donc l'entrée nom du entry point, donc ce sera home.compile.css. Ensuite, donc du coup, je rajoute dans la page le fichier CSS, tout simplement, et ensuite je lance ça, et donc en plus ce -p ça va faire que on va pouvoir avoir le fichier, tous les fichiers qui vont être unifiés en même temps,
Et voilà, et donc il y a encore plus de choses disponibles, mais bon, je ne peux pas vous en parler malheureusement. Et donc du coup, on va avoir le Babel Loader pour faire du pour transpaler et faire de l'ES6 facilement. On va pouvoir optimiser les images, on va pouvoir faire du module load pour React, donc ça veut dire qu'on va pouvoir mettre à jour les vues sans recharger la page. On va pouvoir unifier le code commun pour pouvoir quand même gérer bien le cache, mais quand même avoir un minimum de JavaScript en plus sur chaque page. Donc, pour ceux qui ont eu du mal à suivre, parce que je suis super vite, on va faire ici, j'ai ici le repository. Vous pourrez, si vous voulez, au plus au calme, regarder. J'ai ici également fait donner un exemple pour faire du hot module reload avec un vrai serveur web, donc vous pouvez un serveur PHP dans l'exemple. La doc de Webpack qui est super bien faite. Ici, on a également une introduction sur la JS qui est super bien faite également. Un petit haut tout simple. Et du coup, il n'y aura pas le temps pour les questions.